Alors, bonjour les lions, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2024. Je vais faire un tirage un tout petit peu plus court, les lions, parce que j'ai déjà posté la semaine dernière la lecture intuitive avril, mai et juin. Donc là, vous avez déjà une bonne tendance au niveau des énergies du trimestre. Donc là, je vais juste regarder si ça reste toujours aligné. Et puis sinon, vous avez aussi l'autre lecture intuitive annuelle pour les lions et vous pourrez ainsi compléter les mois d'avril. Donc vous avez trois lectures intuitives pour le mois d'avril. D'accord? Donc c'est parti, on va prendre cinq cartes ici pour vous. Waouh, super, la carte de la réussite. Alors si vous passez un examen ce mois-ci, c'est positif. Ok, vous pouvez y aller tranquille. Donc là, il y a une belle énergie au niveau d'une réussite personnelle. Alors la carte examen, ça peut nous parler de soit vous êtes en période d'examen et donc là, ça se passe plutôt bien. Vous vous préparez pour des examens, peut-être vous passez la maturité en Suisse, hein, maturité CFC, baccalauréat en France, une maîtrise, un doctorat. Si vous passez un examen ici au mois d'avril, c'est positif. Si vous avez des examens au courant du mois de mai et juin, c'est aussi positif, d'accord? On vous invite peut-être à vous calmer un petit peu, à ne pas trop stresser par rapport à ces examens ou de faire une formation. On vous propose ici peut-être de faire une formation, ce qui va vous permettre d'avoir une nouvelle, une évolution. On vous voit vous former ici. Ok? Donc on peut avoir un retour sur le banc des écoles ici avec la carte boomerang. Waouh! Retour positif au niveau des finances. Là, c'est très 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 bon parce que ces deux cartes sont solaires. Ok, est-ce que vous désirez acheter une maison? Oui, non, oui, non. Donc là, on a le revenu, la banque vous accorde, c'est OK, on peut aller pour la maison. Vous désirez rentrer dans une entreprise? La réponse est oui. Vous désirez ici, alors acheter une maison, c'est oui. Vendre votre maison, ce sera fait ici. Vous allez être tranquille par rapport à la vente de votre maison. Vous désirez rentrer dans une université de renom. Hein? Donc ici, on a les finances, on a tout. Vous pouvez rester tranquille, ça va passer. La carte argent. Alors, cette carte, elle a son pôle positif, elle a son pôle négatif. Ok? Le pôle positif de cette carte, c'est si elle est accompagnée de cartes positives. Donc là, il y en a, ils terminent un gros crédit, typiquement. On peut terminer un gros crédit. On peut se restabiliser financièrement. On se sent bien maintenant financièrement. Hein? Donc, c'est un peu le beurre sur les épinards. Pour moi, vous signez un contrat dans une structure. Vous commencez dans une nouvelle entreprise, on vous sent. Moi, j'ai comme de l'anxiété ici, mais je vous sens plus tranquille. Oh, comme si, c'était pas facile, mais j'ai réussi. Voyez? Si vous cherchez un job, c'est un excellent mois. Pour les entretiens, allez-y plutôt tranquille. Ne stressez pas trop pour l'entretien. Si vous désirez, les lions, vous mettre à votre compte, les énergies sont favorables ce trimestre. D'accord? Faites-vous confiance. On prend encore d'autres cartes. Allez, soyons fous. On prend encore d'autres cartes. Oh, mais c'est quoi ça? Alors écoutez, moi, les tirages trop, trop, trop beaux, vous comprenez, des fois, ça cache aussi des choses. On va juste regarder ici. Et puis après, je m'emballe. On prend encore une carte. Voilà, oui. Donc, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six cartes puissantes ici pour vous, les lions. Donc, ce n'est pas du tout un mois à rester à la maison. Ici, c'est la seule carte négative, c'est celle-ci. Je ne sais pas ce qu'elle est venue faire là maintenant.
Elle est venue compliquer la lecture. La carte enfermement. Qu'est-ce qu'on lit sur la carte enfermement? Donc on a déjà le mot enfer. Sympa. On a le mot ferme. On a le mot fermement. On a le mot je mens. Je me mens. Je me mens. Je me mens en m'enfermant. Je me mens. Je me mens. Je me mens, tu vois, me mens. Alors, ça pourrait être l'achat d'une ferme. Avec le mot ferme, j'ai la maison ici. On pourrait vendre une ferme ou acheter une ferme. Ce mois-ci, il n'est pas conseillé de vous enfermer. Parce qu'avec ces cartes positives que je vois là, c'est pas la bonne période. C'est pas la bonne période parce qu'il y a le soleil ici, tu vois. Tire voir une carte encore juste pour voir ici vers la fenêtre. Voilà, parce que vous allez échanger, vous voyez, partager, échanger, communiquer avec certaines personnes. Et donc, c'est pas le temps de rester à la maison. Je vous vois échanger avec du monde, partager des idées et puis créer peut-être un très beau concept avec soit un groupe d'amis ou soit seul. Avec la carte enfermement, ça pourrait être seul. Donc, c'est un mois favorable pour des réunions de famille. C'est un mois favorable pour partager. Pour partager des valeurs, partager des principes. Réunion boomerang, partager avec les gens que vous aimez ou avec votre famille. Je sais que pour vous, la famille, c'est fondamental. C'est très important d'être en meute, hein, comme ça. Je vous vois tout le temps en meute. Hein, voilà. Donc, vous allez parler avec votre famille. Vous allez vous sentir à l'aise. Vous allez créer des réunions. Vous allez vous retrouver avec les gens que vous aimez. Vous allez peut-être leur exprimer, en fait, maintenant, vos besoins. J'ai un gros coup de chance ici avec la famille. Ça, c'est peut-être apaisé. Ça sera plus tranquille. Il y aura moins de stress. J'ai pas de stress ici. J'ai que de la tranquillité. J'ai du calme. Chance en famille, ça pourrait être... Alors, si vous êtes un jeune couple, on pourrait éventuellement maintenant commencer à parler sérieusement de l'arrivée d'un bébé pour certains. On pourrait aussi parler d'une demande en mariage ici pour monsieur ou pour madame. Voilà, si vous êtes un homme lion ici, j'ai l'impression que ce mois-ci vous êtes prêt à vous ouvrir et à parler réunion et à parler d'une union. Réunion, union. Boomerang, retour positif sur une union. Est-ce que c'est vous qui parlez ou est-ce que c'est les autres? J'ai l'impression, j'entends le mot silence, j'ai l'impression que vous ne parlez pas beaucoup, les lions. J'ai l'impression qu'on doit aller, vous voyez, j'ai enfermement sur la communication. J'ai l'impression que il y a tout qui va bien, mais c'est pas bien. J'ai l'impression qu'il y a un événement qui vient d'arriver, tout est bien, tout va bien. Oh, puis non, pour finir, je reste à la maison, j'ai pas envie d'en parler. Comme une excellente nouvelle, mais je préfère pour le moment ne pas en parler. Donc ça pourrait être un peu de la stratégie comme ça. On vous voit organiser, trouver un financement, vous allez partir en vacances ici, vous êtes en train d'organiser vos vacances hein, pour cet été. Ou pour certains, vous partez pour les vacances de Pâques. Maison enfermement. Alors oui, maison enfermement, ça pourrait être une personne qui est en prison ou vous allez prendre contact d'une personne qui est en prison. Donc ça va pas parler à tout le monde. Hein. Ça peut vous rendre un petit peu triste des décisions qui ont. Il y a une décision qui a été prise et ça peut vous affecter un petit peu. Hein. Donc vous ne parlez pas. Il y a des choses. En fait, les gens de votre entourage, vous voyez, sont tous assis ici autour d'une table. Ils ne comprennent pas pour quelles raisons vous ne vous exprimez pas.
Donc en fait, vous, ce que vous désirez, c'est un échange, voilà, mais vous n'exprimez pas. Je crois que ça doit être votre partenaire. C'est pas avec la famille, mais c'est votre partenaire. Vous êtes très silencieux avec votre partenaire. Donc, il ne sait pas vos sentiments. Il ne sait pas que vous vous sentez bien ou que vous vous sentez mal. Il ne sait pas. Le partenaire ne le sait pas. Ça reste peut-être mystérieux. Alors, pour vous, c'est OK, peut-être, cette carte de l'enfermement. Je préfère ne pas en parler. Je tourne le dos. Je préfère ne pas en parler. Je me sens pas bien, mais je préfère ne pas en parler. Alors que possible que la famille le ressente, ça. Ce que je ressens ici, possible que vos amis, votre famille ressentent ici cette petite anxiété que je vois ici. On va regarder avec l'oracle de Corinne Madelin, le petit oracle de l'intuition. Je vais regarder quelles sont ses vérités. Pour quelles raisons il y a quelque chose qui vous procure de la joie. On a comme un coup de chance, mais je ne vais pas en parler. Ça, c'est une attitude aussi c'est une attitude mature. C'est une attitude aussi, suite à des trahisons, des coups durs et tout, on préfère maintenant... Alors, je comprends, les lions, que parfois, on préfère être seul. Mais c'est que vous, c'est pas votre... c'est pas là où vous devenez de plus en plus fort, en fait. Pour d'autres signes, ça va bien, l'enfermement. Un signe comme le mien, hein, les signes de terre, capricorne, taureau, on aime bien nous se retrouver seuls. Mais un signe comme le vôtre, c'est du gâchis. Voilà, c'est du gâchis. Vous ne brillez pas, vous comprenez, on ne vous voit pas, on n'entend pas. Vous ne partagez pas. On va regarder. Moi, je pense que certains, ça va très bien. Hein. Donc, certains, ça va très bien. On a quand même la carte chance, examen harmonie. Il y a des vérités qui vont se dire. Ouais, il y a une rencontre. Et si vous avez envie de... Vous allez rencontrer quelqu'un ici. Alors, pour les célibataires... rencontre. Pour les célibataires, alors je vous vois rencontrer quelqu'un. Avec la carte boomerang, ça pourrait être une personne du passé que vous allez rencontrer, que vous allez voir. Vous allez vous voir. Et ça va très bien se passer. Pour d'autres, je pense que vous avez peut-être dit 2, 3, 4 vérités à votre famille. Ça va se savoir. Ouais. Vous êtes plus tranquille parce qu'il y a des vérités qui ont été dites. Là, j'ai une belle harmonie. C'est un excellent tirage ici pour vous, les lions. Juste cette carte ici. Oh non. Alors, vous voyez, moi j'ai quand même ici des énergies puissantes. C'est pas grave, on me jalouse, on veut ci, on veut ça, mais moi c'est pas grave, je continue, c'est ma vérité, j'ai envie de vivre exactement comme j'ai envie de... Et je sors et je rencontre du monde parce que je suis comme ça et c'est OK pour moi. Et là, j'ai une autre catégorie des lions, mais c'est peut-être minime, qui préfère vraiment rester seule à la maison, parce que je dis quoi que ce soit, on me jalouse, il se passe quoi que ce soit, c'est un coup de couteau dans le dos, je fais ci, c'est non, je préfère rester tranquille chez moi. Alors, c'est pas que un a juste, l'autre a faux, seulement que ici, c'est pas bon pour le moral. Ça, c'est pas bon du tout pour votre enracinement, déjà, pour votre estime de soi, pour votre confiance en soi, pour le chakra de la gorge, pour le plexus solaire et puis pour le chakra sacré. Donc, en fait, là, c'est comme une bombe à retardement. On ne résout pas une problématique. Alors, on peut être seul et ne pas communiquer. Parce qu'on a pour le moment, je suis sur un gros projet, ça peut être ça, hein. Je suis sur un gros projet professionnel. Ça, je peux comprendre. On est sur un gros projet professionnel, un challenge ou l'ouverture d'une structure, d'une entreprise. J'ai pas trop envie d'en parler, il n'y a pas de souci. Donc, c'est OK, mais ce n'est pas de l'enfermement du coup. C'est je travaille sur mon hygiène de vie, je travaille sur mon mindset,
je travaille, je pratique un sport, j'améliore mon alimentation. Enfin, psychologiquement, ça va au top, quoi. Mais j'en parle pas. Ok? J'ai une tristesse ici où on n'a pas envie. Je ne voulais pas qu'on la voie, cette tristesse ici. Non, elle est là. Et puis pour d'autres, non, alors pas du tout. Moi, ça va très très bien. Je sais exactement. Je prends soin de moi. Je suis en harmonie avec moi-même. C'est des opportunités et des gros coups de chance. Excusez-moi de l'attitude un peu arrogante que je peux avoir maintenant, mais c'est comme ça que je sens. C'est ma place et je la maintiens et je la garde. Je prends soin de ma santé. Je prends soin de mon âme. Je prends soin de mon psychique, de mon mental. Je suis la vérité, je sais exactement où je vais. Je rencontre des gens qui sont exactement comme moi. Je vais vers la nature, j'aime la nature, les produits bio, tout ce qui est naturel, et je prends soin de moi. Et c'est OK pour moi. Voilà. Et ce sera comme ça. Et même, moi, je vais le communiquer. Je le communiquerai. Ça, il faut que ça se voie. Il faut que les gens l'entendent. Il faut que ça se voie. Et c'est comme ça pour moi maintenant, parce que j'ai envie d'avancer comme ça. Et c'est OK pour moi. Vous voyez, c'est très différent de ce que j'ai là. Là, c'est vrai que... C'est pour ça que je dis... Vous savez, les lectures intuitives, en fait, c'est faux. Parce que c'est déjà, c'est général. Et on est tous dans des parcours de vie différents. Donc, c'est clair que pour certains, ça ne va pas parler. Pour d'autres, je vais être complètement dedans. Parce que c'est là-dedans qu'on va commencer à apprendre des choses. Parce que ceux qui décident de rester dans cet enfermement, en fait, ceux qui décident de rester à broyer du noir, à rester dans une négativité, dans une dépression, dans une... Je reste là-dedans, je broie ce noir. C'est là où il y a un travail qui se met en place. Il y a des pleurs, des doutes, un manque de confiance. Il y a plein de choses ici qui vont se mettre en place ici. Et c'est tout ça qui va commencer à amener une prise de conscience. Hein. Et c'est là qu'on va commencer à prendre conscience. Hein. C'est là qu'on va commencer à monter en vibration. On va pas se laisser emporter. C'est là où on va avoir envie de briser des choses. Et c'est là que je dis que notre amie la colère, elle est toujours bienvenue. N'hésitez pas à vous énerver, à rentrer en colère. N'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas à dire. N'hésitez pas à revendiquer. Et suite à cela, et suite à cette prise de conscience, il y aura l'action. Parce que pour moi, c'est très simple. Hein. La vie, elle est très simple, en fait. Hein. C'est nous les humains, on a tout compliqué le système, tout a été compliqué et maintenant on a été tellement conditionnés que faire des choses naturelles devient complètement aberrant en fait. Alors que la nature nous aide. Rire, c'est bon. Danser, c'est excellent. Chanter, c'est magnifique. Écouter de la musique, c'est puissant. Ça, c'est des choses de base. Hein. C'est des choses de... Mais l'humain, aujourd'hui, n'a plus le temps. On n'a plus le temps. J'entends des gens quand je leur dis, mais allez faire du sport. Oh, non, mais j'ai pas le temps. Mais allez dans la... Oh, mais j'ai pas le temps. Oui, mais alors... Et puis, non, mais pour l'alimentation, j'ai pas le temps. En fait, du coup, on n'a pas le temps. Donc, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre soin de soi. On n'a pas le temps de s'écouter, en fait. C'est ce que ce... Tout ça, je vais pas m'écouter parce que j'ai pas le temps de prendre du temps. J'ai pas le temps de m'écouter, en fait. À quoi ça me sert, en fait, d'écouter mon corps, en fait? Parce que j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire, j'ai de l'argent à faire rentrer, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Et c'est ce conditionnement et on y rentre gentiment. Et après, ça prend place. C'est comme ça. Donc... Mais c'est pas grave, hein. Parce que c'est là où l'on gagne confiance en soi. C'est dans le chaos que tout se passe. C'est pas là.
Hein? C'est dans le chaos qu'on devient plus fort. C'est dans le chaos qu'on remonte. C'est dans le chaos qu'on apprend. Donc, cette lecture ressemble un petit peu à la lecture intuitive c'est laquelle? Cette lecture intuitive, avec tous mes post-it que j'ai de partout, maintenant, je m'en sors plus. Ça ressemble à la lecture intuitive, pas trimestrielle. Une que j'avais faite, celle du mois de mars, elle ressemble un petit peu à cette lecture. Voilà, où je parlais de la voiture, vous voyez, où je parlais du mouvement. On est sur l'autoroute, voilà, chacun sa voie ici. Hein. Voilà les lions, j'espère que cette lecture vous parle. On va prendre quelques messages angéliques pour voir ce que les anges ont à nous dire par rapport à... Ayez confiance, c'est votre destin. Oh, on a une union ici. Oh, on a un coup de chance ici avec un couple. Waouh, on me dit oui ici. Confiance, destin, union, chance. Au niveau sentimental, ça va très bien se passer, la team des lions. Faites-vous confiance, d'accord? On va prendre quelques messages ici. Pour vous, première carte, chiffre numéro 2. On a envie de parler d'union ici, j'en ai pas beaucoup parlé de couple hein, ici, mais en tout cas, il y a une notion de... On se retrouve ici avec le chiffre numéro 2, la grande prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix, les lions. Soyez en paix. Deuxième carte. 5 de Gabriel, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous-même et envers les autres. Voilà. Voilà pour la team des lions. Et puis, j'ai envie encore d'une troisième carte. 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois. Rendre tout travail plus agréable. Voilà les lions, j'espère que cette lecture vous parle. Moi, j'ai senti quand même un bon coup d'énergie ici avec ces réussites d'examen. On vous sent plus tranquille, plus apaisé avec la famille. On a vraiment ces coups de chance que j'ai sentis au niveau du couple. Ça se passe très, très, très bien. D'accord ? Quand je dis ça se passe très, très bien, ça ne veut pas dire que le couple... Quand je dis ça se passe très, très bien, c'est les énergies. D'accord ? C'est-à-dire que au niveau du chakra du cœur, vous êtes en confiance. C'est-à-dire que vous vous aimez. C'est-à-dire que vous vous écoutez, hein, vous écoutez votre cœur, et donc au niveau du cœur, ça se passe très bien. Voilà ce que je ressens. Faites-vous confiance, les lions, merci infiniment pour votre confiance, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!